droit. Connasse, moi. Retournez là, là. C'est des m'aiz. Voilà, c'est des filles. Voilà, c'est des filles. Ça lui a volé son téléphone. Voilà, ça lui a volé son téléphone. Voilà, ça lui a volé son téléphone, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien, voilà. Mouskina, ça lui a volé son téléphone. Ça lui a volé son téléphone, il y a un sac. Voilà, il y a de l'argent, voilà, il y a de l'argent. Ah, monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Vous pensez quoi? Est-ce qu'on va ramener la coupe à la maison ou pas? Hein? Est-ce qu'on va ramener la coupe à la maison ou pas? Ah ouais. On va la ramener, Inch'Allah? Normalement, oui. Inch'Allah, qu'on va la ramener. Wallah, ils ont pris un bus, les refs. Wallah, ils ont pris un bus. La vie de ma mère, ils ont pris un bus. Téma. Wallah, ça va trop loin. Téma.
Fils de putain. Voilà, je vous aime pas. Même si vous avez gagné, bande de fils de pute. Brûlez, tuez. Brûlez encore. Crame ça, moi. Bande de fils de pute. On va tout faire, Re tout le monde, nous sommes en direct ici. C'est en masse là-bas. Regarde tous les CRS qui arrivent. Regarde là-bas tous les CRS. Ouais. C'est les gendarmes. Partagez. Ouais. Filme ça. Ce qui s'est passé hier à Rouen. À Rouen, Mahmoud Barry, qui s'est précipité pour regarder la finale avec sa femme, dans sa voiture, au niveau des feux, au niveau de l'arrêt du bus, s'est fait interpeller par un supporter algérien qui le traitait de sale raciste. Vous les Noirs, on va vous exterminer, avec des mots durs que je ne peux pas dire ici sur cette vidéo. Et jugeant la gratuité, jugeant sévère les injures, Mahmoud s'est permis de descendre et demander à ce supporter algérien pourquoi cette gratuité, pourquoi l'a-t-il insulté alors qu'il n'est pas d'abord sénégalais, il n'est pas algérien, il regarde le foot juste pour le fun. Et pendant ce temps, il n'avait même pas fini de discuter, le mec l'a asséné des coups tellement fort qu'il s'est évanoui et tombé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu encore continuer à écraser la nuque de Mahmoud qui est par terre sur le goudron, sur la bitume. Et ça, c'est devant sa femme, devant la femme de Mahmoud. Et sa femme qui sort de la voiture, qui crie, tu as tué mon mari. Qu'est-ce que le mec a dit? Il dit, si tu fais pas attention, je te fais la même chose. Je t'assène les mêmes coups comme ton mari.